le cul l'emporte. Ben remet aussitôt à Weber. Un dégagement sur la rampe. Byron rejette derrière en direction de Dano. Un dégagement derrière la ligne des buts. Reprend le temps de Jack et Patrick Murphy. Voilà, Byron se termine rapidement devant Green. Il semble au moins avoir retrouvé sa vitesse. Et voilà Jordy Ben qui reprend sa ligne bleue vers Weber. La passe pour Patrick Murphy s'est bloquée. Alors que la rondelle reviendra à Saint-Denis. Green, revient au centre. Voilà l'arrivée de Blake Coleman. La passe à Travis Zajac. Un pivot revient sur ses pas, rejette derrière le filet. Coleman, plaqué derrière Price. Voilà maintenant l'arrivée dans le coin de Drew Stafford au dépens de Pacioretty. Tire de Moore. La rondelle qui dévie dans le coin, loin à la gauche de Price. Voilà maintenant Dano. Il revient vers sa droite, Pacioretty tente de contourner Moore, qui ne lui donne pas un centimètre. Et ce sera donc repris en défense du côté des Devils. Sami Vatanen, acquis dernièrement les Ducks d'Anaheim, reprend une deuxième fois. Vatanen, avec un long jeu pointé en direction de Stafford, s'est raté et refusé aux Devils, qui ont pris le vent 1-0. David Severson s'est entendu l'heure au banc des Devils également. Il a été frappé solidement par Nicolas Deslauriers lors de la dernière présence du quatrième trio derrière le filet. On a même perdu son bâton, donc il s'est brisé sous l'impact. Severson demeure au banc des six. C'est ce qu'on demande à Nicolas Deslauriers, d'amener un peu d'énergie en échec avant. Et je pense qu'on a vu comment son... On a tout ça, Marc, Paul Byron est retourné au vestiaire. Oui, il est retourné...